Hi, this is Multi-Topic Talk. Welcome to this new video where we will be playing Splinter Cell Chaos Theory. We will be doing a long play of the game. It will be Panther style. If you have played Blacklist, you know what I am talking about. I already did a ghost playthrough of the game. The playlist is available on my channel. So basically, what we will be doing now during this long play, it's the reading equipment. So basically, we will use Lethal Force on the missions. However, we won't be assault-like. We will try our best to not raise any alarm. However, instead of escaping battle, we will be in the middle of it. So let's do this. I hope guys will enjoy. I will also be doing a assault long play, but the assault long play will be available later on once this one is out. So let's do this. J'arrive, Lambert. Que voulez-vous dire? Juste qu'on m'a suffisamment tiré dessus avec un AK pour savoir que ce n'en était pas un. D'accord. Voyez. Et si leur équipement sort de l'ordinaire, et tenez-nous au courant. Parle-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un Jean Décote. Regarde. J'ai entendu dire que ces grottes servaient aux contrebandiers autrefois. Oui, il doit y avoir des tas de passages secrets par ici. Allez, viens! Fais attention! T'inquiète, on ne risque rien. Ne sois pas bête. Les vieilles grottes sont souvent dangereuses. Je ne vais pas plus loin. Très bien, fais comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Spéléologie était dangereuse. Oh non! Vous allez me tuer, n'est-ce pas? Seulement si tu prononces le mot singe. Bon, apprends-moi un truc intéressant. On a des tas de munitions et des fournitures médicales. Fouillez le fort, vous verrez. Vous êtes vraiment serviables, les gars. Pourquoi a-t-il fallu que vous soyez du côté des méchants? C'est vous les oppresseurs américains. C'est vous les méchants. Alors tu comptes dire singe ou non? Hein? Non. Alors on va en rester là. Now we got rid of both of these guards.
On dirait que vous aviez raison pour ce qui est de leur équipement, Sam. Ouais, ces types ont un sacré équipement high-tech ici. Essayez de découvrir où ils l'ont obtenu. S'il y a des codes-barres sur à l'aide de votre EEV. Le code barre est le premier d'une série de 5. Trouvez-les. Vraiment mieux. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu crois pas qu'il en a assez? Il en aura assez. Qu'il faut qu'il fasse. Ça fait une heure. Si. Je parie qu'il fait semblant. Semblant de quoi? Sa langue est un bout de charbon. Et son cerveau? Assez. Envoie-lui plus de courant, Saul. On est déjà au maximum. Quoi? Je vais chercher une autre batterie. So now, the guy will come at us and we will take care of him. Qu'est-ce que t'en dis, amigo? Tu veux une autre batterie? Hey, petite minute, il a... Ses oreilles, elles commencent à fumer. Je crois que je vais être malade. On dirait qu'il est mort. Je connais le moyen de m'en assurer. Je vais faire un tour. On a cassé l'ampoule. D'emblée, ta tête ne me revient pas, alors n'en rajoute pas. Ok. Pourquoi avez-vous torturé Morgenholt? La Cerda nous a dit de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Un truc mathématique pour programmeur. J'ai pas pigé. Toi, t'es juste du genre débile qui aime faire du mal aux autres. Oui, je crois. Tu peux trouver une bonne raison pour que je te laisse continuer à vivre. S'il vous plaît, je... Moi non plus. So now we will keep going with this. J'ai vu quelque chose ici. Ça pue. Je n'entends pas grand-chose, Fisher. Le son, ce n'est rien. Le pire, c'est l'odeur. Vous êtes sûr qu'il est mort? Au moins autant qu'Elvis. Bien. Laissez-la débrouiller. Il faut essayer de récupérer le compte-rendu de son interrogatoire. Grimm vous rappelle. Thank you.
c'est Grimm. Il faut nous assurer que ce que Morganolt a pu leur dire au sujet des algorithmes de masse ne quittera jamais ce site. D'accord. J'ai détecté une connexion sans fil en provenant du technicien qui a quitté la pièce avant ton arrivée. Autrement dit, je dois récupérer les données qu'il a peut-être téléchargées. So now, let's keep going. We will have two other guards by here, so we will take them down. Exactement. On dirait que le camp des guerriers Ross est un peu plus temporaire. Ils ne doivent pas avoir de système d'alarme. Bien. Salut toi. Belle prestance. Je suis loyal. Vous ne tirerez rien de moi. Vraiment? On dirait que tu as oublié de te raser ce matin. Attends, je vais t'aider. Eh, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je cherche Lacerda. C'est un méchant garçon depuis quelque temps. Si c'est ça, vous perdez votre temps. Il est parti en bateau il y a une heure. Il faut être n'importe où maintenant. Dans ce cas, je vais devoir le suivre. Mais il ne m'échappera pas, ne t'inquiète pas. Je pense que ça confirme, Fischer. Oui, la Cerda est partie depuis longtemps. So now we will keep going. Ne vous préoccupez pas de lui. Nous allons essayer de le retrouver grâce à Echo. Nous vous tenons au courant. Qu'est-ce que c'était? So let's keep going. C'était l'avant-dernière case, Fischer. Il n'en reste plus qu'une. Now it will be better. C'est sur ce serveur que le technicien a téléchargé le compte-rendu de l'interrogatoire. Tu dois y accéder. Beau travail, Fischer. C'est toutes les infos que Morganolt a pu leur communiquer. Il ne risque pas de se demander ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, nous sommes bien équipés. J'ai fait en sorte que ton intrusion ressemble à un problème d'allocation de mémoire.
Toujours par Tandoran. Let's keep going. Je préfère le danger. Ouvrez la porte, fermez la porte, et maintenant, elle est cassée, c'est des crétines. I had bullet to waste. The mission is already almost over. Narcisa, répondez. À qui tu parlais? Qui êtes-vous? Le type qui va tester les rotules si tu ne me dis pas à qui tu étais en train de parler. Oh, Seigneur, c'était Lacerda, Hugo Lacerda. Il les apporte lui-même. Si jamais je découvre que tu m'as menti, je reviendrai. Je vous en supplie. Je vous jure que Lacerda n'est pas là. Le Maria Narcissa est un bateau. Et la dernière fille que tu m'as présentée était un ton. Ça colle. Fisher. Désolé. Le Maria Narcissa est un cargo appartenant à Celestinia INC, compagnie de transport portugaise enregistrée depuis. Pas beaucoup de précision. Ça a l'air louche. Oui. Et on dirait bien que je te prépare un nouveau rencard finalement. Je meurs d'impatience. Vous avez rempli vos objectifs. Procédez à votre extraction dès que vous serez prêt. Envoyez le signal pour que l'hélicoptère vienne vous chercher en haut du phare. Mais coupez d'abord la lumière. D'accord. I'm trying to see where is the guy. Oh, he's right there.
basically, on my ghost playthrough, I had 95%. This time around, I killed too many people and I was caught once. So yeah, I hope you guys still enjoyed. We will go over to the second mission. Now we are doing the second mission. We are in Panther style, just in case you missed the intro of this video. It's a long play, so yeah, let's do this. Venant d'obtenir le rapport des travaux réalisés sur le Maria Narcissa quand il était en cale sèche. Système d'alarme flambant neuf. Laissez-moi deviner. S'il sonne trois fois, je suis éliminé. Bien sûr que non, Fisher. Ce n'est pas un jeu vidéo. Mais faites attention si vous ne voulez pas alerter tout le monde. Let's take him down. Autant, non? Que... Chut. Parle. Combien y a-t-il d'hommes à bord? En tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois. Mais ça comprend la Cerda et les mercenaires patibulaires qui l'accompagnent. Parle pas. Où est la Cerda en ce moment? Il était ici il y a 20 minutes à peine. Je sais bien. Il se plaignait de ses quartiers et voulait une autre chambre. Ça a l'air dangereux, hein? Vous ne trouverez pas la Cerda là où on travaille. So let's throw that guy in the sea. Another one that will go in the sea. That's the best way to hide a buddy. They will never find it. Qu'est-ce que c'était que ça? Let's push you toward the darkness. Now we pretty much killed most of them.
Let's keep going. Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais vous avez intérêt à sortir. So now we will go inside the boat here. On dirait que la Cerda fait profiter de ses armes à ses petits copains en s'en servant pour payer les dettes qu'il avait contractées auprès de Fisher. Tu veux que je scanne d'autres caisses, c'est ça? Mieux encore. Beau travail, Fisher. C'était la première caisse. Cherche les autres. Très bien. Venons d'intercepter un message radio en provenance du Maria Narcissa à Fisher. Il parle d'une fuite et demande une escorte. Le bateau est en train de couler? Non, mais plusieurs compartiments auraient été inondés. Il va te falloir allumer la pompe de la salle des machines avant pour... So now we will meet a guard very soon. We will take him down just like the other ones. Accéder à toutes les sorties. With this playthrough, I know much better the game than my Ghost playthrough. C'est bruyant ici. Oh mon Dieu! Super quand on ne veut pas se faire repérer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soute? La pompe auxiliaire. Plusieurs compartiments ont été inondés. La pompe devrait permettre de les vider. Merci de ces précisions. This one can live since he helped us a lot. And that area is very dark, so... Il doit y avoir une pompe qui te servira à vider la soute avant. Bon, tu allumes cette fichue pompe, oui ou non? Je crois que je sais comment ça marche. Le commandant a dit de s'écrouiller si on veut pas couler. Et si je me gourre, on coulera encore plus vite. Alors je t'égourre pas, cabron. Facile à dire. Now the next one is in the bottom floor.
Voilà qui devrait vider les compartiments inondés. Fouille-les et retrouve le bordereau d'expédition collé au compteur de la Serda. Now let's keep going. D'accord. I think there's something inside of that. Je parie que le conteneur de transport de la Serda se trouve dans ce compartiment. Le bordereau d'expédition doit être avec. Je vais regarder. Beau travail, Fisher. On dirait que celui qui a fourni ses armes à la Serda est passé par une tierce personne. Qui donc ? Mercantil Costa Afuerda Securidad de Panama. La banque offshore ? Et ses banquiers fumeurs de Havane, oui. Génial. J'adore les bureaucrates. Il faut encore récupérer les documents de transit afin que nous sachions avec qui la Serda a fait affaire. Va voir dans le bureau du bateau. L'ampoule est cassée. Let's try something risky here. Non, n'y a rien. Oui, je le sens. Peut-être une fuite. Il y en a assez pour provoquer une explosion. Alors pas d'armes à feu dans la salle des moteurs. Génial. Sauf que les ennemis ne doivent pas être assez malins pour s'en rendre compte. Eux, ils sont tirés sur le bois. Pigé. Faire le plus discret possible. So basically now,
don't even try using your SC-20 case against the refire, because even if it's plastic ball and shockers, if you shoot, that will go boom. And when they are all together, just like right now, don't even try to smash any of them. The other one will shoot at you. Calme. Tu ne veux surtout pas d'étincelles. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur anti-incendie, et je n'aimerais pas que toi ou tes crétins d'amis ayez l'idée de tirer des coups de feu ici. Pourquoi? Tu ne sens pas une odeur de gaz? Si, mais je ne pense pas que c'était dangereux. Imaginons qu'il te faille ranger les munitions dans un endroit sûr, pour éviter les accidents. Une des plus. Les gars dorment à bord. Prenez à gauche à l'arrière de la salle des machines. Il y a une caisse pleine d'armes là-bas. Et il y a peut-être d'autres trucs aussi. Je ne sais pas. Je n'utiliserai pas mon arme, c'est promis. That one was helpful. He can live. I remember my first playthrough of this one, the Ghost playthrough, took me around an hour. Now it should go a little bit faster. Just a little bit. I will actually fly. Oh, yeah, I will do this. If I remember correctly, there's a crate. Yeah. Tu es tout près du bureau, Fisher, sur ce pont du côté tribord. J'y trouverai les documents de transit? Oui, du moins, c'est là qu'ils devraient être. Hey, la Cerda est passée par ici? Ouais, il était là il y a quelques minutes à peine, pour se plaindre au sujet de ces documents de transit. Quel salaud! Si quelqu'un pouvait le buter... Joue pas ça avec lui. Il est dangereux. Oh, je fais pas l'attention. Mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre s'en charge. Dans ce cas, ce quelqu'un risque fort de se faire massacrer. La Cerda ne rigole pas. Ah. Où il est maintenant? Aucune idée. Hé hey, sortez. Sont des faux. Ils indiquent que le conteneur de la Cerda contient du sucre de canne, vendu par un certain Nakaryakov de Malaisie. Nakaryakov? Je n'oublierai pas ce nom. C'est un nom de code utilisé par les trafiquants de drogue philippins pour signaler les livraisons d'armes. Donc, au lieu de noix de Malaisie, la Cerda a obtenu des armes expédiées. So now,
We will keep going. Par un russe imaginaire. Exactement. Bon, et si tu retrouvais la Cerda maintenant? Le commandant doit savoir où il se trouve. Bonne idée. Va donc lui demander sur le pont. Bien, Fischer. Va voir la numérotation des caisses. Je dirais que tu en as fait la moitié. Essaie de trouver les autres. So I think I remember exactly where are the other three. There's one in the office, one in the last floor, and one by the extraction point. One in the office should be right there. Joli travail, Fischer. Plus que deux. Transporte des tonnes de cafés colombiens, les meilleurs cafés du monde. Et le nôtre a un goût de fiente de chauve-souris, c'est ça? Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi? Facile. Les commandants achètent toujours les plus mauvais cafés qui soient. Pourquoi? Parce qu'ils sentent plus fort. Comme ça, les chiens des douanes peuvent pas renifler ce qu'il y a dedans. Hein? J'ai la berlue ou quoi? Peut-être. Dans ce cas, moi aussi. Sortez! Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Tu vas aller le chercher, c'est ça? Tiens le coup. Tiens le coup. Tu m'as l'air d'être un homme de la Cerda, toi. Oui, c'est un sac. Dommage pour toi. Dis-moi où je peux le trouver. Il est de très mauvais humeur. Il m'a dit qu'il allait voir le commandant pour exiger des quartiers moins exigus. Donc, le commandant doit savoir où il est. J'imagine, oui. So now we will meet the commander. Excellent, Fischer. Il ne reste plus qu'une seule caisse.
that should be the place where La Cerda is. Oui, commandant. La barre à 88 degrés, 6 minutes, même vitesse. Bien, commandant. Hé, hey, t'es toujours là? Je me suis laissé dire que vous aviez un passager ce soir. Ok. Où êtes-vous? Le gars qui vient chercher les chèques remplis par la Cerda. Où est-il? Ce fils de... Il provoquait mes hommes, alors je lui ai donné ma cabine pour qu'il se taise. C'est très aimable à vous. Faites attention. Il a des gardes du corps avec lui. Aucune trace. Les hommes de main de la Cerda ne me font pas peur. Ce ne sont pas des Péruviens, mais des Européens, je crois. Des pros. Merci de m'avoir prévenu. Tout le plaisir est pour moi. Laissez-moi son cadavre, et je le donne à bouffer au bar. Donc, la Cerda se casse. So, during my ghost playthrough, I was forced to kill the other guy in this room. But now this time it went in a different way. Je suis dans les quartiers du commandant. Où est-ce? Troisième niveau, côté bâbord. Les deux escaliers intérieurs sont le seul moyen d'accéder à ce pont. Jamais j'ai été aussi insulté. Je vois pas ce qui t'énerve. T'as passé l'inspection? La lumière devrait marcher. Tu es trop... On n'est jamais trop soupçonneux. Bon sang. J'ai un mauvais pressentiment. Ok, j'admets, j'ai la trouille. J'ai un mauvais pressentiment. J'informe les chefs du major que la Cerda ne constitue plus une menace. Objectifs principaux menés à bien. On procède à l'extraction quand vous voulez. Now we can go to the extraction point. That went much better than the first playthrough. J'adore.
There's a third one. I cannot see him. The last one is right there. Parfait, Fisher, c'était la dernière. Comme ça, nous saurons où elles vont et avec qui la Cerda est à coquiner. In the other playthrough, I did 73. And yeah, this time I killed more enemies, I guess. So let's keep going. Let's do that third mission. Hey, Emilio! Tu as vu ces nouveaux capteurs de mouvement? Non! Comment... Ça m'étonnerait qu'elle le fasse. Avec les infos que votre équipe et toi aviez recueillies sur cette banque en 1989. Souvenir, souvenir. Oui, à en juger par ton rapport, c'était une petite promenade santé. C'est vrai, surtout si on considère que j'ai passé le reste de l'année à dormir au bord des routes entre Bagdad et le Koweït. Ah, enfin, si ça peut te consoler, 1989 n'a pas été bonne pour moi non plus. Quoi ? Mais tu ne travaillais pas pour le gouvernement pendant la guerre du Golfe ? Non, j'étais en CP. Ah, ok, je comprends. J'ai là une copie d'un contrat passé entre la banque et sa compagnie d'assurance, Fisher. Il indique que les fenêtres arrondies qui donnent sur le vestibule sont à fermeture magnétique. Essaie de trouver un disjoncteur ou une boîte de dérivation pour couper ça. Ça glisse. Ok. No time to waste with that lockpick. Bon travail, Fisher. Voilà qui règle le problème des fenêtres. Hé, qu'est-ce que c'est que cette décharge d'énergie ? Le vestibule. Une grille laser vient juste de s'allumer. Des lasers ? Ça me rappelle les années... 90 ? J'allais dire 70. Tu veux bien arrêter de me faire croire que je suis vieux ? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Fisher. Tu es vieux. Notre spécialiste est là, Fisher. Tu vas vous faire entrer dans la salle des coffres pas à pas. Alors... So now we are inside the bank. Soyez patient avec lui. Patient ? Je crains le pire. Allô ? Allô ? Est-ce que ce truc est branché ? Oui, je vous entends. Vous avez été briefé ? Bon, d'accord. Écoute, c'est un modèle Mason Wells 88. Et ils sont... Pour commencer, il te faut autoriser l'ouverture. Comment je fais ? Le président de la banque et le trésorier ont tous deux un verrou d'autorisation dans leur bureau. Et le troisième est dans le bureau de la sécurité. Désactive les tous. Ok.
I forgot if one of these computer allow us to do a extra objective. Looks like it's not the case. Pas, j'espère. Je suis venu dévaliser la banque. Les guichets, il doit y avoir dans les 1000 balboas à l'intérieur de chaque tiroir caisse. La petite monnaie ne m'intéresse pas. Vous n'entrerez jamais dans la salle des coffres, c'est impossible. Alors ça ne te dérange pas si j'essaie? Non, 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 bien sûr, c'est vous le patron, c'est vous qui voyez. Tu peux peut-être m'aider un peu. Le scanner rétinien. Je peux l'utiliser. C'est gentil de ta part. Now I've got no mercy for those who sleep at work. Maybe while on break, I mean, while on break, you're on break, you know? But it was on duty, that guy. Move all that body. So now we need to find all the other computers. Est compatible avec leur système d'exploitation. C'est tout? Il suffit de me connecter? Oui. Téléchargez ces 8 faux emails sans vous faire repérer. Pour qu'on croie à un vol organisé de l'intérieur. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? Mauvaise nouvelle. Très drôle, Taro. Mais... Je ne suis pas Taro. Non, je vois ça. Reste calme. Et dis-moi quelque chose d'intéressant. Les caméras de surveillance. Le système est centralisé. On peut accéder à toutes les caméras depuis la salle de contrôle. Qui est où? Au premier. Now he was very helpful. So let's save this. Just in case I screw up.
Bon, recule, je vais l'enfoncer. Now I'm wondering if he's alone. Looks like it. So one good way to play, never stand beside a door, because if they knock that door while you're on the other side, you're pretty much done. Now we have two fake email. Garde qui se balade. Il n'a pas l'air d'avoir de problème. Il doit avoir une sorte d'émetteur sur lui. Rapproche-toi pour bénéficier de son immunité électronique. Je lis ce que tu fais avec les lasers. Hey ! Oh, la grille ! Elle détecte juste un signal un peu. Oh, il est, je vous jure. Il est cousu dans mon uniforme, quelque part. Mauvaise nouvelle, parce qu'il faut que je les franchisse, ces lasers. Et comme je n'ai pas envie de te déshabiller, il va falloir que je transporte ton corps. Mon corps? Si je suis assommé, j'espère. Pas mort? Les deux options me vont. Now, that guy was a good one, so instead of killing him, we will let him live, but we will knock him out. Got another of these email. 3 out of 8. Plus de lumière.
Rien. Je suis trop prudent. Qu'est-ce que c'était que ça? Now we will go to the security office and we will see what's going on there. Ok, je n'aime pas ça du tout. La gueule. So now the security office is clear. J'ai du mal à compter au-delà de 3. Pas la peine de faire le malin, Fisher. Bien pensé, Fisher. So now we will keep going. Comme ça, même si les caméras vous voient, on ne pourra pas vous identifier. Voilà pour l'autorité. Looks like I think I will need to actually act this one.
reste plus que celle du trésorier maintenant. Longue date. Terminé. So now we are at 5 emails. 3 more to go. One in the other office, one in the safe, and one. Voilà pour ce qui est des autorisations. La porte extérieure de la salle des coffres devrait être en train de s'ouvrir. Génial. Juste à l'intérieur. Tu trouveras la première salle des coffres. Pourquoi pas penser à toi et à mes équipements pour toi dans la nôtre. Très bien. Je vous recontacte quand j'y suis. Et voilà. S'il y a un nom que je ne voulais pas voir. Zerkezi, c'est une marque de viande séchée. Sans doute le meilleur théoricien informatique qui soit au monde. Il a travaillé avec Morgan Holt sur le projet Watson. Et il paraît qu'il a perdu la boule. Encore un pourri en puissance, quoi. Now we will take care of these guards inside that room. Je te l'ai dit, c'était un rat. Pas possible, c'était bien trop gros. Un singe peut-être. Ou alors un ours. Un ours, t'es vraiment débile, toi, hein? Je sais que ce conduit est large. C'est de pire en pire. C'est vraiment pas bon du tout. J'ai entendu quelque chose. Non.
Now let's move out of the way, these buddies. Plus qu'un, et nous sommes couverts. Je fais de mon mieux. Fisher, c'est Will. Turtle disait qu'il y avait de l'équipement dans un de ses coffres. Sur la droite, au niveau de ta poitrine, le numéro 1024. On dirait que le contact panaméen de la Cerda est le Seigneur Segundo Ruiz de Medeiros. Vice-président du canal de Panama. So now we need to break into the safe. C'est là que je dois aller maintenant. Non. Les accords de la Cerda ne vous concernent pas. Je charge quelqu'un d'autre de cette affaire. Quelqu'un d'autre? Pourquoi, Fisher? Jaloux? Je survivrai. Gaffe avec le bateau. Qu'est-ce que c'est au juste? Les charges sont pour la SATECOM. L'autre truc, c'est un outil de crochetage télémétrique. Pardon? Télémétrique? Va à la SATECOM au principal et on reprend. Bien. Maintenant, il te faut ouvrir ces deux dernières serrures en même temps. D'où l'outil de crochetage télémétrique? Exactement. Il analyse les gestes que tu fais pour crocheter une serrure et il les reproduit sur l'autre. Sacré équipement, les mecs. Bon. Une fois que tu sens bien chaque goupille, attends que l'outil de crochetage fasse de même. Dès qu'il émet une sonnerie, crochète la goupille et passe à la suivante. Synchronise bien tes mouvements avec lui. D'accord. Bien. Maintenant, place les charges sur les goupilles principales. Now we will be entering the safe. So I will do it again because apparently I missed my shot. J'ai là des fragments de messages d'un certain Vorak. Échelon n'a pas de fichier le concernant. Une petite minute. Étrange. Quoi donc? Les messages effacés. C'est tout noir. Je l'ai tué non loin de ses leurs morts. Je sais, ça a été confirmé. J'ai accès à des infos sacrément classifiées. Serkezi? C'est une possibilité qui fait froid dans le dos. Excellent. Maintenant, toutes les enquêtes menées sur le cambriolage remonteront aux enquêteurs eux-mêmes.
Autrement dit, le gouvernement panaméen va balancer des banquiers innocents en prison. Innocents? Si on oublie qu'ils livrent des armes aux révolutionnaires. Ah oui, j'oubliais. Méchants banquiers. Si on reparlait de mon augmentation, maintenant que j'ai 50 millions de dollars entre les mains... 25 cents de l'heure, c'est ma dernière offre. Ça marche. Bien, Fisher. Nous allons procéder à votre extraction au même point que pour votre insertion, comme prévu. Par-dessus le mur de la cour de devant. Oui. Redding vous attend en loin. The objective were pretty much done. 90% we killed too many guards, but that's part of their risky life as criminals who sell weapons. So yeah, we will keep going with the next mission. Let's do that fourth mission. La garde nationale s'est déployée dans les rues de Manhattan il y a une heure. Je me sens déjà plus en sécurité. Attention, Fisher. Ils ne s'attendent pas à vous voir et risquent de vous tirer dessus. Ne les tuez sous aucun prétexte. Je répète, ne les tuez pas. Je ferai attention. Bien. That's one of my favorite missions right now. I like this one so much. C'est pas censé faire ça, si? Pas que je sache. Logique. Oh, I thought I had the range, but I do not have the range. Rien que des ombres. J'ai la merde ou quoi? There are too many guards here. Qu'est-ce que c'est? Hey, je l'ai vu moi aussi. J'aime pas ça. De toute façon, vaut mieux qu'il n'y ait rien. J'ai la trouille. Thank you.
The rest of the mission will be challenging, but at least I will be able to kill some enemies. National essaie de rétablir le courant au niveau de l'ascenseur. C'est sans doute le meilleur moyen d'atteindre le toit. Je vais essayer de le prendre. Sinon, j'espère que vous aimez les escaliers. Down. Now we are near the building where we need to go for the rest of the mission.
Tu sais ce que je ne fiche pas? Toute la ville est dans le noir, pas vrai? Ouais! Mais ce type là... That's all we do. Satellite indique que vous avez atteint l'immeuble de Zerkesi. Des permis de travaux ont été déposés pour l'avant-dernier étage, sous le penthouse, pour l'immeuble voisin. Il y a des plans quelque part? Je vais demander à Grimm d'en chercher. Mais avec cette coupure de courant... Compris. Je vais voir si je peux en trouver de mon côté. Bonne idée. Rien. Mais il valait mieux vérifier. Ici. Qui diable ? Mauvaise réponse, parle ou tu es mort. Ah, ok. On est en protection rapprochée. Il faut garder l'étage parce qu'il est relié au penthouse. Est-ce que l'architecte de l'immeuble a un bureau par ici ? Oui, bien sûr, du côté ouest de l'immeuble. Puisqu'on est devenus copains, si tu me disais qui est ton employeur ? Je travaille pour Displace. Displace International. Si vous voulez me tuer, faites-le vite. Si vous voulez me tuer, faites-le vite. Où est le garage? Space. C'est la société de Port Shetland. So now that guy is doing a turn down. He will go fast those 20 floors. C'est Fisher. Si Shetland est un pourri. Si c'est le cas, je chargerai moi-même de lui. Mais j'ai le sentiment que c'est plus compliqué que ça. Possible. Étrange. Essayez de savoir qui est chargé de cette mission de protection. Peut-être qu'il y a un tank chez Displace. Ça marche. Oh, ok, I see. They were too far. I did not add enough time. Fisher, si Shetland est un pourri... Si c'est le cas, je chargerai moi-même de lui. Mais j'ai le sentiment que c'est plus compliqué que ça. Possible. Essayez de savoir qui est chargé de cette mission de protection. Peut-être qu'il y a un traître chez Displace. Ça marche.
Now that area is clear. The next one I will take on is the other one there. Guys, know me, I have no mercy for those who sleep at work outside of their break, and that guy seems on duty right now. Hello there. Mon nouveau poignard te plaît? Oh, seigneur! Je m'en sers très souvent. Il coupe encore? On dirait oui! Tu devrais peut-être me dire un truc intéressant avant que je m'endorme et que la lame dérape. Hé, les fournitures médicales, ça doit vous intéresser, non? Dans les toilettes, à côté de la cuisine. Pitié, je comptais démissionner la semaine prochaine. Now, because he slept at work, he will go join the other one at the ground floor. Ça. On dirait qu'il a également demandé un permis de travaux pour l'immeuble adjacent. Répète un peu. Je ne suis pas architecte, mais à en croire ses plans, les deux immeubles sont reliés par le toit. So now, let's keep going. Je t'envoie tout par ta montre terminale. Ça devrait t'aider à te repérer. Merci. Les caméras de Zerkis projettent un rayon infrarouge qui leur permet de voir dans le noir. Dans ce cas, je le verrai grâce à la vision nocturne. Exactement. Écoute, ça nous aiderait pas mal si on pouvait surveiller Zerkesi à l'aide de ses propres caméras. Très bien. Je vais poser quelques mouchards. Beau travail, Fisher. Voilà pour le premier mouchard. Il doit rester encore 5 caméras. T'inquiète, j'ouvre l'œil. Hello there. Come meet me, my friend. Get. Choisis un chiffre de 1 à 10. Qu'est-ce que... je sais pas. 3. Good chance. Je te laisse la vie sauve. Bon, tu me dis un truc intéressant ou on rejoue? Oh mon dieu! La porte du toit à serrure magnétique! Oui, alors? Je crois que l'ordinateur qui la contrôle se trouve dans la chambre du dernier étage. Faut que je choisisse encore. That was the even higher fall than the other two.
when they fall from the sky, I'm wondering what the neighbor are asking, like, how that guy feel. In the morning news, they may see a lot of displaced guy commit suicide. Tu bosses chez Display. C'est quoi ce bruit? Looks like he's glitched. So yeah, let's take care of him. Another guy falling from a rooftop in New York. Oh shit. Another one falling from the sky. Let's keep going. J'ignore ce que vous mijotez, mais vous avez intérêt à sortir de là.
For these who have seen my playthrough of Pandora Tomorrow, guys will recognize that team. If you missed it, then go watch it, there's a full playlist of it. Essayez de repérer les deux dernières. So now we will go in the computer. Je te tiens. Qui ça? Dvorak. Où est-il? Si j'en crois ce que j'ai à l'écran, dans l'immeuble voisin. Tu peux l'atteindre par le toit. Il suffit d'ouvrir la porte à fermeture magnétique. Et comment je procède? Facile, elle est ouverte désormais. Merci de ton aide. I was a bit too slow, but apparently in this computer nothing interests me, so let's keep going. Connais depuis longtemps? Oh oui. Bien avant Displace, en fait. Avant la Bosnie, même. Avant la Bosnie? Qu'est-ce qui se passe ici? Montrez-vous! Je vous ai entendu! Vous ne vous cacherez pas éternellement! J'aimerais bien être ailleurs! Just like a ninja. I am the ninja with firearms. On va pouvoir surveiller Zerkesi 24 heures sur 24. Heureux de donner du travail au gras de papier. I want that room to stay dark.
fermeture magnétique, Fisher. Il va falloir trouver l'ordinateur qui contrôle la serrure pour pouvoir l'ouvrir. Are you kidding me? Il se trouve probablement dans le bunker dissimulé derrière la chambre. I thought I opened this one. À l'écran dans l'immeuble voisin. Tu peux l'atteindre par le toit. Il suffit d'ouvrir la porte à fermeture magnétique. Et comment je procède ? Facile, elle est ouverte désormais. Merci de ton aide. Now we are near. Let's shut down that light. I will test something out. Something else, that would be a good idea. That wall mine is really annoying.
should have another guard down. That should be the last one. Okay, looks like I need to hack it. Pardon, Dvorak, dites-vous? Moi qui croyais que personne n'avait le droit d'entrer ici. Il se passe quelque chose de louche. Oui. Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas l'air dangereux. Jouez son jeu et voyez s'il sait quelque chose. Qui est... Je pourrais vous retourner la question. Je crois que je viens de comprendre pourquoi tu n'arrivais à rien, Grimm. Tu crois? Sans blague. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, je prends ma règle à calcul. Essayez de découvrir ce que le vieillard sait, Fischer. Bon. Eh bien, je suis son gardien. Merci de me l'avoir demandé. Ok. Tu as tout capté, Grimm? Mon Dieu, c'est une machine à état infini. Si tu le dis. Et moi, je fais quoi? Si Zerkesi se sert de ça... Grimm! Pardon. Je vais avoir besoin d'une copie des données de Dvorak pour voir à partir de quel algorithme il a été créé. Et comment je t'obtiens ça? Ramène-moi ces cartes perforées. Des cartes perforées? Oui. Lance-le et initialise tous les tours dans le bon ordre pour récupérer ces données. Et comment je le trouve, le bon ordre? Actionne les interrupteurs au fur et à mesure que les tubes chauffent. Demande au vieil homme de t'aider. J'ai les données. Au travail, Fischer. C'est le moment de filer. Rejoignez le point d'extraction principal. J'y vais. So now we need to meet the elevator. Thank you.
I hope you guys enjoyed this new mission in lethal mode. Just a quick reminder, the fifth mission is already recorded, and I will take the version I used to take for the Ghost playthrough. So it will be reused footage, because there's no point on making new videos since we cannot kill. So yeah, see you next time. Hi, this is Multi Topic Talk. Welcome to this new video where we will be playing Splinter Cell Chaos Theory. So now we will be doing the fifth mission in stealth mode. Let's do this. Now, I will be honest here, that mission, I like it a lot, but it's not my favorite, but it's a fun mission here. Oh, I felt... I thought it was dark there. I will use the quick save a lot, just to let you know. Là-bas. Non, il n'y a rien. Curieux. That's weird. Anyway, let's try again. Si tu le dis. Qu'est-ce que c'était? On est
dans le noir. Oh, he got me. Are you kidding me? Why did he came there? Wow. Really, that's some BS here. Rien que des ombres et des fantômes. Alors, ça vient. Qu'est-ce que... Fini de rire, je vous ai entendu. Now, I know I lost a lot of health, however... That was the fastest way we could get to go down, and I don't want to get caught again and try again, so let's do this. Certes, avoir la garde nationale à tous les coins de rue maintient l'ordre, mais à quel prix? Ils s'y feront bien, Julia. Et au final, ils se rappelleront que la garde nationale ne coûte rien. N'oubliez pas que nous parlons des contribuables, là. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau scandale financier. Quoi? Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Fisher, ce cadre. Il doit avoir l'algorithme d'accès au serveur centralisé de display sur son portable. Lambert a été on ne peut plus clair. On ne tue personne. Si tu restes près de lui, tu pourras peut-être pirater son portable à distance. Ça vaut le coup d'essayer. Possibilité de pirater son portable à distance, Fisher. J'essaie, Grimm, j'essaie. Laissez-moi juste m'occuper des fenêtres. Oh, j'adore vraiment ce truc. Il nous en faut à l'hôtel de ville. Envoyez-moi un email pour me rappeler. Je vous aurai un bon prix. La vache! Bizarre, ce truc. Oui, je connais. C'est une fenêtre électrochromatique, je crois. Un léger courant électrique suffit à modifier l'opacité des cristaux microscopiques. Can you stop walking, please? Cool. Ce serait bien si tu pouvais modifier l'opacité des fenêtres. Oh, wow, great.
Why did he turn back? Explain to me, why did he turn back? Splinter Cell have sometimes weird artificial intelligence. Il doit avoir l'algorithme d'accès au serveur centralisé de Display sur son portable. Lambert a été on ne peut plus clair. On ne tue personne. Si tu restes près de lui, tu pourras peut-être pirater son portable à distance. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu, moi aussi. J'aime pas ça. Oh, c'est né. Qu'est-ce que c'est? Fuck it. I will take them down. Je laisse ça aux jeunes. Now that they are all sleeping, I will need a better hiding for those buddies. Are you kidding me? That fort number never showed up. It's a bad joke here. Why? Explain to me why. Beau travail, Fisher. Maintenant, tu vas pouvoir accéder au serveur du rez-de-chaussée. Facile, avec la technologie sans fil. Eh oui, bienvenue dans l'ère Wi-Fi. N'oublie pas que tu parles à un rescapé de l'ère Hi-Fi. Hi-Fi, Kazako. Haute teneur en fibre, c'est ça? Je ne suis pas encore bon pour l'hospice, gamine. Now, let's save this. Thank you.
let's keep going here. Objective, okay. Perfect. I think it's in the bottom part. Nothing interesting on that computer. I think it was actually in the other part of the map. Let's go back. I don't think it's there. It's been so long I did not play this game, so I'm not quite sure. So, yeah. I think we are in the right way now. Chaque service de display a son propre serveur, Fisher. Je viens d'envoyer sur ta montre terminale un programme permettant d'accéder à leur réseau. Tu veux que je le télécharge sur le serveur de chaque service? J'aimerais bien, oui. C'est demandé si gentiment. Where's the guard? No, there's someone around. I see a guard now. What happened? I heard someone screaming. Thank you.
I don't see anybody around. Fraîchement moulu ou en sachet? Ton café, comment tu le préfères? Je sais pas. Bon alors, dis-moi quelque chose d'utile. Et vite. Le code de la porte, peut-être? C'est le 8136. Ça me va. Et vous? Avec ou sans sucre? Now let's knock him out. He gave us a code we already knew. But it was helpful, I guess. Oh, I like that. Feels better. Hey out there, Raider Land, you listen to the best station in the city. Don't touch that dial. We got news in the morning. That's all you need is here on the station. Beep.
Qu'est-ce que... Tout le monde a son... I triggered the alarm. That's great, I guess. If you want service, you want us. Oh, I think I remember this part of the mission. I need to go on the other side. Petit problème, Fisher. Deux employés se sont retrouvés enfermés derrière... ...derrière la porte menant à la salle du serveur. Difficile de passer, alors. Oui, mais il y a peut-être un autre chemin. Il y a une fenêtre qui donne sur la salle du générateur. Tu pourras peut-être entrer par là si tu passes par le service de recherche et développement. Très bien, je vais voir. Since they are stuck there, I need to go another way. Holy sh! Qu'est-ce que c'est? I left at the wrong moment the room. Difficile de passer alors. Oui, mais il y a peut-être un autre chemin. Il y a une fenêtre qui donne sur la salle du générateur. Tu pourras peut-être entrer par là si tu passes par le service de recherche et développement. Très bien, je vais voir. Je savais pas que ça se piratait. Oh! Ok, I see. Difficile de passer alors. Oui, I have no other mais choice. Il y a peut-être un autre chemin. Il y a une fenêtre qui donne sur la salle du générateur. Tu pourras peut-être entrer par là si tu passes par le service de recherche et développement. Très bien, je vais voir.
I see. Oh, okay. I'm gonna try something risky here. If that's risky thing is not working. Now, I'm wondering what the guy wants from me. Ça va? Why? Looks like the guy is not the right one for that door. But since it worked, let's go back. I hope it's this one. It's this one. C'est tranquille comme mission. Sauf qu'il paraît que ce type est vraiment sûr. Pas grave. Il a quitté la ville de toute façon. Quoi? Vous gardez juste son appart alors? Ouais. Et on vide tranquillement son bar en jouant aux jeux vidéo. Et tu sais quoi? Il a le nouveau Prince of Persia. C'est vrai? J'ai entendu dire qu'il était super. Le jeu de l'année, mon pote. Je... Sortez! Let's hide the bodies. Thank you.
I'm wondering if this one, yeah, this one also deactivate the lasers. So you have two guards that deactivate the lasers. Tu dois pouvoir accéder à la salle du serveur par ici. Les stands de tir disposent souvent d'une aération pour chasser la fumée. Elle doit être reliée à la fonction de la salle. Let's hack this one. Oh, okay, we can't. Let's go here. C'était le premier de leur serveur. Si tu télécharges ce programme sur tous les autres, je pourrai les espionner en permanence. Je vais voir ce que je peux faire. Supprimer les infos que nous cherchons du serveur. Mot de passe M. Nedich.
Milan Nedish. Son nom revient tout le temps. Mais nous n'avons toujours rien sur lui. C'est probablement un pseudonyme. Je vais essayer de trouver qui il est vraiment. De toute façon, il nous faut accéder à son ordinateur. Son bureau doit se trouver dans les derniers étages. So now we need to leave this area. Ça va? I don't know why he heard me and how, but looks like he did. It's probably that guy, computer. There we go. Bien joué, Fisher. Télécharge le programme sur le dernier serveur et je serai la femme la plus heureuse du monde. Tu n'es pas difficile. Le libre accès est le meilleur ami de la femme. So let's keep going. Thank you.
Oh, I see where it leads to. I don't know that game as much as I know Double Agent, so sometimes I discover new stuff. À Istanbul le mois dernier. Il est sorti du bar avec l'envie de se battre et on l'a retrouvé le lendemain matin couvert de sang. Pardon ? Ouais, Stan pense qu'il a tué quelqu'un. Apparemment, c'était dans le journal du lendemain. Les flics d'Istanbul auraient retrouvé un type lacéré de partout à deux rues du bar. Oh, la vache ! À mon avis, ce serait une bonne idée d'aller voir si on peut trouver quelque chose sur lui, sur son PC. The diversion camera is so good, I like it a lot. Now let's keep going. Seems like there's no cameras here, so let's just go there. Désolé de vous faire venir si tard, mais il nous faut rajouter des hommes. C'est allumé. Qui a allumé ça? C'est éteint. Cette fois-ci, j'ai pas rêvé. Montrez-vous! Il nous prend pour des amateurs. Ah.
We are by the end of the game very soon. The end is near. Let's distract him. Ça devrait être éteint. J'aurais juré que c'était éteint. Un piège? Bien joué, mec. On va voir ce que tu vaux vraiment. Recule. Perfect. Hokkaido, c'est l'Alaska du Japon, non? Oui. On dirait que Milan Nedish y a amené Zerkesi en secret. Intéressant. Il faut vraiment parler à Shetland, alors. Le département d'État va s'en charger. Vous, vous allez à Hokkaido. Un hélicoptère vient vous chercher sur le toit. So, I think I have one objective missing. Thank you.
Yeah, I have a few objectives missing. That's weird. Maybe this door here. No, that's the extraction point here. So let's go back downstairs. If I don't find, we will just go at the extraction point and... Deuxième étage. C'était le dernier. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser au linge sale de Displace. Ah, zut! Quoi? Le linge sale. Je l'ai complètement oublié. So now I guess all objectives are done except for the melanated one. La fenêtre électrochromatique. Votre fenêtre sur l'avenir? Premier étage.
I guess I don't know where to find the last objective. So we'll just end it there. I hope guys enjoyed. Like, comment, and subscribe. Have a great day.